fêter à l'Alsace Fan Day. Venez nombreux. Alors d'abord, je l'imagine ensoleillé comme aujourd'hui, pour qu'on ait envie de sortir. Pas trop chaud pour que ce soit agréable de se retrouver. C'est l'annonce de l'été, ça peut être l'occasion de redonner le moral aussi à nos concitoyens dans ce contexte un peu morose. Que la population en profite pour découvrir, si ce n'est pas le cas, ou en tout cas pratiquer toute l'offre culturelle, sportive, mais aussi découvrir nos produits agroalimentaires, nos vins, nos bières. Ça doit être un moment de grande solidarité, de fraternité, de fête, on en a bien besoin. Nous avons fait le choix au niveau de la collectivité européenne d'Alsace d'accompagner tous les territoires d'Alsace qui sont dans cette volonté de mener des événements. Donc nous, vous le savez, on organise dans 7 territoires et dans chacun des 7 territoires, il y aura un événement aux couleurs aussi de la collectivité européenne d'Alsace qui va soutenir ces événements. Donc j'invite vraiment les collègues élus, mais aussi les acteurs associatifs qui jouent un rôle majeur, qu'ils soient culturels, sportifs ou social et humanitaire. Tout le monde peut aujourd'hui jouer le jeu d'un événement qui crée de la fraternité, la vitalité de notre territoire. Alors j'espère que je vais pouvoir à l'un ou l'autre endroit participer un peu à la fête. Alors je sais que notamment dans la vallée de Villers, il y aura l'inauguration du pump track et un peu un anniversaire de l'action de la communauté de communes de Villers depuis de nombreuses années au service des habitants. Ben, ce sera l'occasion de faire un peu des moments festifs et de jeux partagés avec les jeunes générations. Donc là, je sais au moins que je serai de la partie.